tous. Merci d'être avec nous ce matin du 13 février 2023. Une journée qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la radio. Et oui, la radio qui est ce support médiatique, donc support d'information, support de communication, support de divertissement le plus accessible à tous les segments de la société. Et donc qui joue souvent un rôle de médiateur. Il relève le défi justement de la déstigmatisation, celui de la gestion des conflits, mais également justement l'élimination de tous les extrémismes ou encore, comme ça se passe actuellement avec les réchauffements climatiques, être là au premier rang pendant les catastrophes naturelles auxquelles fait face le monde actuellement. Donc aujourd'hui, cette journée est célébrée sous le thème Radio et paix. Et oui, c'est aussi un médiateur de paix, la radio. Et avec l'évolution technologique, cette radio gagne du terrain de plus en plus, lève l'isolement partout à travers la planète. Aujourd'hui, justement, nous parlerons de cette évolution technologique et de l'apport du multimédia dans la diffusion de l'information radiophonique, notamment grâce à la présence parmi nous de la rédactrice en chef de cette radio multimédia liée justement à la radio algérienne et voilà qui joue un rôle complémentaire dont on parlera tout à l'heure avec elle. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir une représentante du ministère de la Culture et des Arts pour annoncer justement le lancement. C'est vrai que d'ores et déjà, l'appel à candidature justement aux artistes pour le prix Maachi récompensant les jeunes créateurs a d'ores et déjà été lancé. Et donc, on y reviendra ce matin avec normalement la sous-directrice du soutien à la création artistique auprès du ministère de la Culture et des Arts pour parler justement de tous les détails relatifs à la participation par les artistes à ce prix prestigieux. Dans cette matinale, nous mettrons le cap également sur Constantine pour parler d'un événement qui rassemble les professionnels de la construction, du monde de la construction. Et aujourd'hui, donc, il s'agit donc, voilà, j'y arrive, du BuildTech, le BuildTech qui aura lieu du 20 au 23 février prochain. Donc, et qui pour cette fois-ci, pour cette édition en particulier, met en relief le rôle ô combien important des architectes dans la chaîne justement qui rassemble les professionnels de la construction. Dans cette matinale aussi, nous aurons le plaisir de parler d'une créatrice en bijoux. Il s'agit de Lydia Messaoui qui viendra nous parler de sa passion pour la création des bijoux, une passion née il y a quelques années et qu'elle développe de plus en plus aujourd'hui. Elle nous en parlera en direct dans Bonjour d'Algérie. Et puis, bien sûr, n'oublions pas que nous célébrons aussi le 13 février cette date un peu triste qui rappelle un petit peu tous ces Algériens mis au premier rang lors des essais nucléaires perpétrés par justement la colonisation. C'était Tareghen, rappelons-le, le 13 février 60, des Algériens ont fait face à cette bombe nucléaire et aux essais, donc essais des Français justement sur le sol algérien. Pour en parler, nous aurons plaisir de recevoir notre spécialiste en histoire ce matin, Hassan Arab. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel de la programmation de cette matinale. J'espère que vous apprécierez les thématiques que nous avons choisies pour vous. Et puis bien sûr, je sais que vous tous vous appréciez un moment particulier, celui où on révèle les nouvelles du ciel. Et aujourd'hui, c'est avec Amel Laribi qu'on le fera. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Amel Laribi, au sourire contagieux. Bonjour, ça va? Bonjour Nadia. Ouais, très contente de te revoir. Franchement, ça va? Ça fait un baume au cœur. Oui, tout à fait. Voilà, vous êtes aussi une grande mélomane. Alors, c'est un plaisir de parler musique avec vous avant de démarrer l'émission. On en reparlera encore de la musique tout à l'heure, mais bien sûr, ce qui est important, c'est de savoir quel temps il fait. Ah ben, le temps va vers l'amélioration, malheureusement. D'accord, des éclaircies. Des éclaircies, du soleil partout. D'accord, et c'est vrai. Voilà. Bon, mais c'est quoi ces petits nuages avec des traits là? Ah, ça, c'est de la brume. Ah, c'est seulement ça, c'est de la brume. Ouais, la brume matinale. D'accord. Voilà.
Ben, je comprends votre déception, mais en tout cas, dites-nous tout hein, pour ce qui relève de cette journée du 13 février, s'il vous plaît, Amel. Merci, Radia. Merci. Allons-y. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux, ouest, centre et est. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, un beau soleil, avec toutefois des passages nuageux, mais cette fois-ci vers les régions côtières de l'extrême est. Et à noter des vents assez forts près des côtes ouest qui peuvent atteindre les 50 km/h durant cet après-midi. La moitié sud connaîtra un ciel localement nuageux, des nuages bas assez denses par contre du côté de Tindouf et des passages nuageux tout au long des frontières algéro-maliennes, également le Nord-Sahara et les oasis avec de la brume cette fois-ci matinale aussi vers le Nord-Sahara et les oasis, puis le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé vers Tindouf. Eh bien, Météo Algérie prévoit quelques pluies, parfois orageuses et parfois aussi sous forme d'averses. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer avec toutefois des zones de sable cette fois-ci vers le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 9 degrés seulement à Albeyod, 12 à Djelfa, Batna Sétif, 14 à Tiaret, 17 à Tizi Ouzou, 16 degrés à Alger Al-Naba, 21 à Oran également Tlemcen, au sud 14 degrés du côté de Biskra, 15 à Gardaïa, 13 degrés le minimum à Biskra, 14 à Béchar, pardon, également Tindouf, 19 à Adrar, également Ilizi, 22 à Insalah, 25 degrés à Tamanrasset et enfin 31 à 32 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centres, agitée sur les côtes ouest, mais plutôt calme sur les côtes est, avec des vents qui seront variables sur les côtes est et varieront entre 10 et 20 km/h, 30 à 40 km/h sur les côtes centres et les vents seront de secteur est, et 40 à 50 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur est à nord-est. Et on termine subit avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h26. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معًا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite de passer également une agréable journée également. Excellente, pourquoi pas, on le veut bien. Pourquoi pas? On ne dira pas non. Oui, bien sûr. Absolument, j'espère qu'elle sera tout aussi agréable et excellente aussi pour vous qui nous regardez ce matin et à qui on offre cette première chanson signée Nadia Guerfi avant de parler, d'ouvrir une page d'histoire sur sur Gerboise Bleue. Bon, son nom a l'air tout à fait anodin. Mais en fait, il indique le nom de code d'essai nucléaire français destiné à tester la première arme nucléaire française sur le sol algérien. C'était un 13 février 1960.
interprété par Nadia Garfi ce matin, qui raconte le parcours d'un combattant durant l'évolution de la guerre de libération. Aujourd'hui, nous ouvrirons justement une page d'histoire liée à cette période de la guerre de libération. Nous nous plaçons en 1960 et nous allons parler de cette bombe nucléaire lancée par les Français à titre d'essai. Et pour en parler, qui mieux que Hassan Arab ce matin, bien sûr, notre collègue spécialisé en histoire. Bonjour. Bonjour Radia. Ça va ? Ça va. Ça va, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de se rappeler ces escales tellement douloureuses dans l'histoire. Escales douloureuses, mais aussi c'est parmi les pires, les plus, les crimes les plus horribles commis par la France coloniale pendant les 132 années de colonisation. C'est-à-dire procéder à des essais nucléaires sur un territoire algérien dont les politiciens de l'époque qu'ils ont considéré plutôt comme étant un territoire désertique. Or, cette région de Reghen, de Hmoudia plus précisément, était une région où il y avait plusieurs habitants. C'était une oasis extraordinaire, fertile, où les fellahs, les petits fellahs, faisaient des productions agricoles de toutes sortes. Ça donnait à l'agriculture. Ah oui, donc il y avait une sorte d'auto. Une vie paisible. Beaucoup de nomades aussi, département du Sahara comptait une grande population de nomades. Et puis dans ce contexte d'ailleurs, c'était dans l'esprit même de Charles de Gaulle à l'époque, il voulait à tout prix isoler donc le Sahara algérien. Il avait essayé, il avait mis en place un plan qui n'a pas marché grâce justement à la détermination et à la lutte du peuple algérien pour l'unité du territoire qui était un principe de la démarche du Front de Libération Nationale. Donc on va parler de ce 13 février 1960, premier essai pour la France qui s'est placée du coup en quatrième position des grandes puissances nucléaires de ce monde. Alors, grâce à cet essai. Donc c'était ce 13 février 1960, on procède à un premier essai, nom de code Gerboise bleu. C'était à 7h, 5 minutes, 4 minutes, il y a eu donc cette explosion. C'était une explosion atmosphérique, hein, parce que la bombe a été placée sur une tour de 200 mètres d'altitude. Et puis, pour les Français, c'était un succès sur le plan militaire, évidemment. C'est-à-dire ils viennent d'accéder au club très très restreint des puissances nucléaires. Mais on n'a pas, à l'époque, mesuré les conséquences sur les régions. D'ailleurs, ce premier essai, ils ont ramené donc des débris de chars, des débris de camions militaires, d'avions, pour voir un petit peu l'impact de cette explosion. Et après l'explosion... Mais il y avait aussi, paraît-il, des prisonniers algériens qui avaient été placés. Alors, donc, il va y avoir les trois essais. Le premier essai, le premier essai a concerné uniquement donc des débris. Du matériel. Et ils ont même déplacé des débris d'un navire, donc pour voir un petit peu les conséquences sur la matière, donc notamment sur le fer, mais aussi sur l'atmosphère d'une manière générale. Et puis, en avril, il y a eu Gerboise verte. C'était en quelque sorte le remake de la Gerboise bleue. Blanche plutôt, hein, en avril. La blanche 60. D'abord. La verte. Blanche. Après, il y avait la rouge. Là, on a fait des essais en présence d'animaux. Même les animaux domestiques, hein, ils ont dit que c'était des gerboises du Sahara qu'ils ont donc placées, mais aussi il y avait des chèvres, etc., et même des chameaux, paraît-il, donc enfin des dromadaires. Et en 61,
avril 61, c'était une simulation d'une guerre nucléaire. Donc il y avait des engins militaires où il y avait des humains, d'accord, c'est-à-dire des Algériens. Mm-hmm. Il paraît que c'était les prisonniers algériens qu'on a ramenés pour cette simulation d'une guerre nucléaire lors de la Gerboise rouge. C'est pourquoi, d'ailleurs, on l'a appelé comme ça. Oui. Donc, tous avant, ces avant essais... Avant de continuer, justement, oui. Hassan, je vous propose de suivre un reportage de notre service de la rédaction, donc, qui nous propose, avec Yasmine Messaï, ce reportage sur les essais nucléaires de Reagan, justement, et on revient juste après. Une explosion nucléaire 5 fois plus forte que celle d'Hiroshima au Japon. Gerboise bleue, une opération tristement célèbre pour laquelle plus d'une centaine d'Algériens ont été sacrifiés. 63 ans après, ce crime demeure toujours impuni, alors que les populations souffrent encore des effets de la radioactivité, sachant qu'un grain de sable retient les radiations pendant 24 000 ans. Comme vous pouvez le voir, mon œil a changé de couleur le jour de la première explosion. Il y avait beaucoup de fumée et de poussière ce jour-là. Le jour de l'explosion, ma sœur était sur la terrasse. Elle a perdu la vue juste après, mais aussi l'usage de ses jambes et de ses bras. Elle est décédée il y a peu de temps d'un cancer. Le 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire à Reagan dans le Sahara algérien. 70 kilotonnes de plutonium qui détruisent tout à 300 mètres à la ronde. C'est le début d'une longue série d'essais nucléaires. Ce programme nucléaire a été décidé par les hauts responsables de la France à la tête de Gaulle. Et il y avait des scientifiques, il y avait des militaires, il y avait des politiques, il y avait des diplomates. Tous ces gens-là ont décidé de faire exécuter un programme nucléaire au niveau du Sahara algérien au détriment de la population, au détriment du sol algérien. En tout, la France a procédé à 60 essais et explosions nucléaires en Algérie, témoignant des procédés barbares du colonisateur français. Durant des années, le désert algérien a été utilisé comme terrain d'expérimentation et les populations comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Différents types de cancers, stérilité, malformations congénitales, avec un risque accru d'une transmission aux générations futures résultant d'une exposition au rayonnement radioactif. Actuellement, dans les actuels, il y a beaucoup de malformations dans ces régions. C'est des conséquences justement des rayonnements ionisants. Il y a beaucoup de cécité, il y a beaucoup de surmuets, il y a beaucoup d'handicapés. C'est une catastrophe réelle parce que, l'a dit Einstein, l'atome ne pardonne pas. Quand il fissionnait, il ne pardonne pas. C'est malheureux de le dire, mais on continue de défendre ce dossier jusqu'à ce qu'on arrive à avoir gain de cause parce qu'on est des victimes et la France, c'est le criminel. À ce jour, la France persiste dans son refus de remettre les archives ainsi que les cartes topographiques des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires et celles de la délimitation des zones contaminées pour éviter de nouvelles victimes. Et s'obstine à ne pas assumer sa responsabilité morale et juridique. Voilà, responsabilité morale et juridique, parce que ça reste un crime de guerre quand même. Ça reste un crime de guerre, mais il ne suffit pas aujourd'hui de dire qu'on doit récupérer les cartes des sites d'enfouissement de ces déchets nucléaires, mais que la France procède tout simplement à la dépollution de toutes ces zones parce qu'elle connaît donc les périmètres. Parce qu'on parle du site de Hamoudia où il y a eu un massacre, il faut le dire. Donc c'est un crime impuni, qui demeure impuni, mais également à Tamil Rasset, donc dans la région de Ain Nikel, donc à Béryl, où les Français, en mai, le 1er mai 1962, ont procédé, soi-disant, à un essai qui devait souterrain, mais qui n'a pas été suffisamment confiné et contenu, et ça a donc provoqué une explosion qui avait touché donc toute la région, jusqu'à toute la région de Tamil Rasset, de Janet, mais jusqu'en Libye. Alors les conséquences. Sur place, les Français
avaient dit, les premiers rapports, hein, ils ont dit que c'était de moindre importance, c'est-à-dire la radioactivité n'a pas touché en fin de compte. Or, ce qu'ils ont caché, c'est que les particules radioactives ont atteint toutes les régions du Sahel, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Ghana, et jusqu'au sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et le sud de la France. On doit dire, selon les chercheurs, un grain de sable garde la radioactivité pendant 24 000 ans. Un simple grain de sable. C'est pourquoi, il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu le fameux vent de sable qui a touché le sud de l'Europe, ils ont fait des analyses, ils ont découvert que ces grains de sable sont encore radioactifs. Et puis, les conséquences sur la région, on vient de l'écouter dans ce reportage, donc en dépit toute forme de maladie, toute forme de cancer, etc., et il faut dire que la faune, et la flore et même le sol sont aujourd'hui exposés donc à ces déplacements des particules. Oui, le sable se déplace. Oui, tout à fait, absolument. C'est ça le... Absolument, d'autant plus qu'on sait que voilà, en 2020, ce premier essai Gerboise bleue a été classé comme le plus puissant essai nucléaire à l'époque. Oui, à l'époque, parce que voilà. Certains disent que c'était, plus que Trinity, il avait une puissance 4 fois plus que la bombe larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Et certains chercheurs disent qu'il avait peut-être une puissance entre 10 et 20 kilotonnes. Voilà. Bien sûr, ça c'est pour le poids, mais en fait, cette matière, quand elle explose, elle n'est pas maîtrisée à 100%. À l'époque, on fait des essais pour voir justement l'impact de l'explosion et aussi son ampleur. Et l'ampleur était beaucoup plus importante. Elle était beaucoup plus importante parce que les spécialistes disent que quand sur un rayon de 150 km, aspire, donc la bombe, quand elle aspire tous les particules qui sont sur le site à un rayon de 150 km. Pour vous dire un petit peu l'impact direct. Hein. Mm-hmm. Après l'impact, ça se mesure sur des milliers d'années, comme je viens de le dire. Voilà. C'est vrai qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à la responsabilité du colonisateur par rapport à cet acte abject, d'autant plus qu'il y a eu de la chair humaine qui a été sacrifiée. Bien sûr, il y a eu des associations, etc., qui réclament aujourd'hui réparation. Et puis il y avait la fameuse loi Morin, une loi qu'on considère comme... C'est une fuite en avant, encore une fois, donc de la part du gouvernement français, mais aussi c'est une loi injuste. Sur une cinquantaine de dossiers, il n'y avait qu'un seul dossier qui a été pris en considération. Un seul dossier. Or, il est question peut-être donc de plus de les spécialistes. Il y avait des chercheurs à Oran qui ont estimé donc les gens, les Algériens qui ont été touchés directement. Les conséquences, donc, entre 27 000 et 5 entre 27 000 Algériens et 50 000. Mm-hmm. Donc, parce que il faut le dire, ça n'a pas... L'impact de cette bombe n'était pas circonscrit dans ces années des essais, mais jusqu'à présent. Il y a encore donc des malformations congénitales, il y a encore des cancers, il y a encore notamment le problème de cataracte dans la région persiste et sa cause, c'est la radioactivité. Donc, il faut ce qui est urgent, c'est la dépollution de toutes ces... encore une fois. C'est ça c'est vrai, la France est... Voilà, parce que la responsabilité est pleinement, juridiquement
Et même sur le plan international, des juridictions internationales, c'est une responsabilité engagée pleinement. Donc c'est Absolument. À elle de procéder à la dépollution de tous ces... Dépollution, développement durable, voilà, Exactement. Un travail sur l'environnement est nécessaire avec l'appui justement de celui qui est à la cause de toutes ces conséquences dont on vient de parler, effectivement. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de Gerboise Bleue, donc cet essai nucléaire décidé du temps de Gaulle, et cette série d'essais, parce que c'est quand on parle de la première qui est très exactement. Puissante, mais quand on se rappelle qu'il y a eu répétition de ce geste, quand même une cinquantaine, certains, si ce n'est pas une soixantaine de fois. Certains parlent de 17 essais, etc., essais qui ont été donc effectués, mais nous savons aujourd'hui, parce qu'il y avait une partie, donc selon des chercheurs suisses, il y avait au moins 57 essais. 50 ou 60, voilà. Voilà, 60 essais, donc on est, voilà, une soixantaine d'essais nucléaires en tout dans le... Parce qu'il y avait également des essais chimiques, hein, des armes chimiques dans le sud algérien. C'est qui pourquoi... Peut-être il y a beaucoup de sites... Il y a beaucoup de... Bien sûr, il y a beaucoup de sites qu'on ignore encore, qui ont été utilisés comme espace d'essais nucléaires ou d'expérimentation d'armes chimiques. Oui, et comment faire pour récupérer ces archives, selon vous, Hassan Arabe, qu'est-ce qui devrait être fait pour récupérer ces archives qui prouveraient justement toutes ces hypothèses, qui prouveraient l'urgence, parce que le processus pour la récupération des archives, il est lancé officiellement, mais l'urgence, je pense, c'est mon point de vue, c'est la dépollution, c'est-à-dire c'est comment amener aujourd'hui l'État français à assumer pleinement ses responsabilités et à commencer à dépolluer et ces sites qu'il faut repérer, qu'il faut quadriller, parce que c'est vrai qu'on connaît les sites les plus connus, c'est-à-dire le site de Regan, entre autres. De Regan, donc Hamoudia, mais Tamaracet moins, parce qu'il y avait des essais souterrains à Tamaracet, dans plusieurs endroits. Voilà, un dossier qu'il faut absolument donc creuser et développer par les instances vraiment en charge justement de ce type de dossier. J'espère qu'en tout cas qu'il connaîtra justice. C'est le dossier particulièrement c'est le dossier le plus sensible parce que, comme j'ai dit, c'est l'un des crimes les plus horribles. Hein, c'est-à-dire, la France coloniale a essayé tous les procédés inhumains, les procédés inhumains. Il faut dire que les leaders de la Révolution à l'époque n'étaient pas des scientifiques et ne pouvaient pas aller dans le détail de la négociation par rapport au Sahara et par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Ils étaient d'une perspicacité extraordinaire. Donc, ils savaient ce qui s'est passé. Mais attention, les négociations le 19 mars viennent. Bien après, en 1962. Mais De Gaulle, quand il a senti toutes les pressions, quand il a senti que le Front de Libération Nationale allait atteindre son objectif, il sait que la guerre de libération allait aboutir à l'indépendance de l'Algérie, quels que soient les moyens qu'ils ont mis en place. Mais la question algérienne, il a compris. Donc c'est pourquoi, dans une manœuvre, quand il arrive au pouvoir, il a essayé d'isoler cette part. Oui. Et c'est les Algériens, ils n'ont pas cédé sur cette question. Mm-hmm. On a dit, parce qu'ils ont lutté, il y avait l'unité d'un peuple, l'unité du territoire. C'est-à-dire, ces deux principes qui n'ont jamais été, ils n'ont jamais accepté de négocier ces deux principes, notamment l'unité du territoire et l'unité du peuple algérien. Et il ne tenait pas à ce que les Français remettent en cause ces deux principes. Même si le départ avait été progressif par rapport au Sud, parce qu'il y avait l'implantation de toutes ces multinationales qui étaient déjà en place. Ils étaient en place, etc. Mais lui, il voulait, parce que voilà, le projet, c'est quoi ? C'était d'essayer d'ouvrir un couloir à partir d'Oran jusqu'à
et puis tout le sud, hein, parce qu'elle en a fait déjà un département, donc elle a commencé à manœuvrer et laisser une bande au nord qu'elle allait donc... maintenir quand même cette, voilà, ces privilèges. Ces privilèges, disons. Mais voilà, c'est la prouesse donc, des négociateurs d'Évian, des responsables du FLN, c'est de ne pas avoir cédé. Sur les principes qui ont été écrits dans la proclamation du 1er novembre. Parce que c'était de réclamer l'indépendance totale de l'Algérie. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de prendre le train en marche, on vient de rappeler cette date sinistre du 13 février 1960 où le premier essai nucléaire sur le sol algérien, essai nucléaire du nom de la Gerboise bleue, de par le code, donc essai nucléaire français, avait été justement... organisé, orchestré à l'effet de justement de tester la première arme nucléaire française sur le sol algérien. Parce que, par exemple, en Polynésie, les Français, ils ont eu une toute autre attitude. Hein. Mm-hmm. Ils ont également procédé à plusieurs essais en mer, mm-hmm. hein, donc en Polynésie. Et là, le problème, il n'a pas été traité comme en Algérie. Mm-hmm. Quelle est la différence ? Ah, parce qu'ils ont procédé tout simplement, oui, avec des excuses, ils ont procédé à la prise en charge des victimes sur le plan sanitaire, mais également sur le plan matériel. Parce que c'est ça, donc la première des choses, quand on dit qu'ils doivent dépolluer, procéder à la dépollution de la zone, mais aussi peut-être réfléchir à construire, à financer un hôpital dans la région, donc pour prendre en charge tous les malades touchés par des maladies clairement conséquence. La conséquence de la radioactivité. Merci beaucoup Hassan Arab, c'est toujours très intéressant d'ouvrir des pages d'histoire avec vous. Et bien sûr, j'espère que vous avez apprécié cette première thématique. D'autres thématiques vous attendent dans notre matinale, mesdames, messieurs. Entre autres, nous parlerons du salon du bâtiment donc Biltech qui se déroulera prochainement plutôt à Constantine. Et pour en parler, nous recevrons aussi des invités dans ce sens. Et en attendant, je vous propose de suivre ce reportage sur la deuxième édition du Salon du bâtiment. Il est signé Rina Lourari. Cette deuxième édition a été marquée par l'exposition de produits locaux de qualité, des produits compétitifs et modernes. C'est un salon qui offre beaucoup d'opportunités entre donc, les deux pays. Et comme vous savez que les deux présidents ont la même vue en matière de coopération économique, mais aussi en matière de coopération culturelle. Donc ce sont des événements très très promoteurs. L'exhibition est très impressionnante. Ce salon est impressionnant. Nous avons pu découvrir de nouvelles technologies. Nous avons beaucoup de new technologies. Les professionnels intéressés par l'investissement dans le domaine du bâtiment, présents à ce salon, accordent un grand intérêt aux aspects techniques et aux dimensions économiques dans la fabrication des matériaux de construction. Nous avons pu entrer en contact avec les opérateurs économiques, mais aussi des bureaux d'études et des architectes. Cela nous a permis de faire connaître nos prestations de services. C'est une occasion en or pour les opérateurs économiques qui sont dans le BTPH. Le premier but du salon est de faire du networking entre les exposants et les visiteurs. Cela permettra à l'occasion d'échanger les expériences et partager les compétences. En plus de mettre en contact les différents opérateurs économiques du domaine, des conférences thématiques sont organisées à destination des professionnels et des étudiants. We'll be right back.
Voilà, nous mettons le cap tout de suite vers Constantine. Constantine qui abritera une des plus grandes manifestations liées justement au domaine de la construction. Le Biltec ouvre ses portes le 20 du mois de février à tous les participants donc qui connaîtront vraiment une offre particulière, l'occasion justement de découvrir les dernières innovations et avancées technologiques ainsi que les nombreuses opportunités pour apprendre et échanger avec les professionnels et experts du bâtiment, le secteur donc, que connaît parfaitement notre invité déjà installé ici et qui est parmi justement le staff organisateur de l'événement Biltec de Constantine. Bienvenue à vous, Abdelkrim Lenger. Bonjour. Vous êtes architecte. Je suis à la base, oui. Voilà. Et ce qu'il faut relever par rapport à cette édition du Biltec, c'est que vous mettez cette fois-ci tout l'accent sur cet aspect en particulier, la contribution des architectes dans ce domaine et dans cette trame du bâtiment. Justement, pour cette édition, donc, et pour mettre en valeur, si vous voulez, la production architecturale algérienne, donc on compte organiser avec notre partenaire la Fondation Architecture des Villes et Patrimoine, une exposition des œuvres architecturales d'architectes algériens. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a une variété de projets, en commençant par des projets de maisons jusqu'à l'aménagement des parcs naturels. Voilà. Et en plus, on met l'accent aussi sur ce qu'on a appelé les journées techniques, les rencontres professionnelles où il y aura donc des conférences qui traiteront de thématiques aussi variés que les instruments d'urbanisme jusqu'à l'utilisation des BIM dans la construction. Voilà, sur 4 jours, un programme des plus denses destiné justement à valoriser tous les efforts, toutes les innovations, toute l'évolution du domaine. Et bien sûr, vous vous chargez d'un aspect en particulier dans cette organisation, puisque vous organisez les journées techniques qui sont en marge du salon. Initiées par MediaSmart, dont vous êtes le consultant. Donc, durant ces journées, donc ces 4 jours, donc il y aura, il faut juste noter que le premier jour du salon coïncide avec la célébration donc de la Journée nationale de la ville, le 20 février. Donc, pendant cette journée, on va essayer de parler avec nos intervenants qui sont de l'Institut de gestion et technique urbaine de l'Université de Constantine. Donc, on va essayer de discuter sur les problématiques de la ville de demain en Algérie, notamment, essentiellement. Et puis, on va aussi parler pendant cette journée des instruments d'urbanisme et de la planification urbaine, avec un regard particulier, spécifique sur le décret 2255 sur la régularisation des constructions, qui est un aspect que nous avons jugé important. Donc ça, c'est pour la journée du 20. Pour la journée du 21, donc nous... C'est vrai que c'est un dossier des plus importants, parce que c'est vrai que l'urbanisation a été entachée par toutes ces personnes qui n'ont pas respecté les normes de construction ou pas respecté tout simplement le projet initial dans leur construction. Justement, avant, il y avait ce qu'on avait appelé le dossier pour la mise en conformité des constructions, plus connu parmi les professionnels de la 0815. Donc il y a eu ce décret, mais apparemment c'est insuffisant. Donc les pouvoirs publics, je pense, ils ont jugé qu'il était opportun de pouvoir régulariser à condition qu'il n'ait pas commis d'infraction qui est grave. Qu'il soit, voilà. Le décret est encore nouveau, donc on ne connaît pas encore quelles sont les modalités d'application, comment est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi. Donc, Naya, on a pris ce volet, on a invité quelqu'un qui va justement essayer d'exposer pour les architectes et pour le citoyen, pour essayer d'exposer ce tous les détails liés à ce dossier. Exactement. C'est très intéressant. Et puis après, il y a cette deuxième journée où il y aura la contribution justement de l'Envredette qui est en charge de tous les dossiers innovants. Qui va peut-être parler de ces innovations, n'est-ce pas? Donc, notre partenariat avec l'Envredette s'est concrétisé par l'organisation d'un atelier dont l'intitulé est solutions technologiques locales pour les constructions modernes. Donc, en principe, il y aura les interventions donc, de l'APRU, du CNERIB, du CRE, du Centre de recherche pour l'environnement, du groupe CE. Donc, c'est une journée
Oui, je pense qu'on va encore discuter. On est en plein dans la thématique du salon, dans les solutions technologiques au profit des constructions modernes. Très bien. Et puis après, on va parler aussi de toutes les BIM, c'est comme ça, les BIM, comme vous les appelez. C'est les Building Information Modeling. Oui. Donc la troisième journée du salon sera consacrée aux BIM. Les BIM, c'est un processus qui est assez simple, c'est-à-dire c'est l'utilisation d'une solution technologique dans la conception des ouvrages de bâtiments. Mm-hmm. Oui, elle nous permet de faire intervenir, de faire collaborer. Donc c'est un processus qui est collaboratif à la base. Tous les intervenants qui travaillent ensemble sur une maquette numérique pour essayer de concevoir un projet. Donc toute cette équipe, elle est chapeautée bien sûr par un architecte. Et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur les temps consacrés à l'étude et aussi de faire intervenir tous les participants, y compris les propriétaires. Mmh. Et elle est utile aussi après la réalisation du projet pour la maintenance et l'entretien du bâtiment. C'est vrai qu'en Algérie, ça avance, mais pas aussi rapidement qu'on le voudrait, puisqu'il y a toujours le... C'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage n'est pas encore prête, même si les professionnels y sont prêts. Oui. Donc la maîtrise d'ouvrage, notamment publique, elle n'est pas encore prête à l'intégration des BIM dans leur processus de réalisation. Mais peut-être qu'avec cette présentation, si vous défendez bien ce dossier, peut-être qu'il y aura écho. Hein. Il y aura écho et il y aura peut-être une évolution beaucoup plus rapide qu'on l'imaginerait. Hein. Nous l'espérons. C'est pour ça d'ailleurs que nous, les journées techniques, je vous ai dit au départ, on les a appelées les rencontres professionnelles. Oui. Donc déjà, se rencontrer, c'est déjà un pas. Oui. Et pour pouvoir discuter, et il faut savoir que la Media Smart, dans tous les événements qu'elle organise, à la fin de chaque manifestation, on établit un rapport où, à travers les rencontres techniques, on essaie de formuler des sortes de recommandations qu'on soumet toujours au pouvoir public. À chaque fin d'événement, il y a un rapport, les gens ils peuvent voir ça sur notre site web. Donc il y a les rapports des anciennes éditions. Mm-hmm. Donc, à la fin de chaque rapport, il y a des recommandations et finalement, ça sert à ça, les rencontres entre professionnels. À faire évoluer, justement, à faire évoluer pour essayer d'évoluer les choses, essayer d'apporter, si vous voulez, notre petit grain de sel dans la construction de l'Algérie et dans ce futur qu'on veut construire, puisque le slogan de cette édition, c'est « Construisons le futur ». Très bien, on va justement tout de suite entrer en contact avec Madame Wassila Boulaïch qui n'a pas pu arriver. Bon, la densité du trafic oblige. On va quand même voir sa vision des choses par rapport à cette opportunité de rencontre et d'échange dans le Biltech. Bonjour Madame Wassila Boulaïch. Bonjour Madame. Oui, ravie de vous avoir au téléphone aujourd'hui, à défaut de vous avoir en vrai sur le studio, dans le studio plutôt. Et donc, on aimerait justement parler de votre contribution à cet édifice du Biltech. D'accord, madame. Autant qu'une agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, nous avons saisi cette opportunité pour participer. Notre participation n'est pas une participation ordinaire, nous avons envisagé d'organiser en marge de ce salon un atelier. C'est un atelier qui rassemble les offreurs de nouvelles technologies dans le domaine de l'habitat avec des acquéreurs potentiels. L'objectif de cet atelier est de nouer des partenariats et de nouer des relations commerciales par rapport à l'utilisation de toutes technologies nouvelles fabriquées ici, développées ici en Algérie, avec une compétence algérienne et avec des moyens algériens. On peut citer quelques exemples, s'il vous plaît. Par exemple, nous avons 5 partenaires. Parmi ces partenaires, c'est des centres de recherche. Il y a aussi des écoles supérieures, de l'enseignement supérieur, qui vont présenter des solutions. Je vais parler peut-être d'un type de brique pour la construction. Cette brique, elle est conçue
avec des matériaux locaux, avec des matériaux bio, organiques, avec des matériaux organiques, pardon. Donc alors, c'est la valorisation des déchets qui va avec une technologie pour la fabrication des briques. Nous allons aussi parler d'un projet, c'est-à-dire l'utilisation du BIM dans le domaine de l'habitat. Et entre autres, il va y avoir d'autres projets que je préfère laisser. Bien sûr, les visiteurs pourront peut-être, et les spécialistes du secteur pourront s'enquérir davantage de toutes ces nouveautés donc, que l'Ambredette présentera lors du Biltech et qui permettront aussi à ces créateurs de voir aboutir un projet concrètement sur le terrain, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire l'utilité des résultats de la recherche, c'est-à-dire la finalité, c'est pour servir ce qui se fait actuellement sur le terrain, c'est pour améliorer et innover dans le domaine de l'habitat et moderniser le savoir-faire actuel. Très bien. Donc vous serez présente, donc Madame Boulaïche, en cette deuxième journée consacrée justement à ce partenariat avec l'Ambredette. Donc deuxième journée qui veut dire le 21 du mois de février. Donc l'Ambredette sera à l'honneur lors du Biltech, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Nous allons animer un stand, présenter les missions, les activités de l'agence en général. Et aussi, nous allons animer, comme je l'ai précédemment évoqué, l'atelier sur les nouvelles technologies dans le domaine de l'habitat. Les nouvelles technologies, ça ne veut pas dire que c'est des innovations, mais même des technologies qui collent avec le reverse engineering, parce que l'Ambredette avait adopté cette, en 2022 un programme sur le développement du contenu local. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Madame Wassila Boulaïche. Je vous souhaite bon vent pour cette manifestation et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Madame. Inch'Allah. Au revoir. Merci donc de nous permettre un petit peu d'étayer encore, de parler davantage du Biltech, Monsieur Abdelkrim Lengel. Donc voilà, elle revient encore sur cette notion du BIM. Le BIM, donc en tant que technologie qui a prouvé son utilité, ne serait-ce que par le gain de temps. Ouais. Et aussi par l'optimisation du rendement de tous les acteurs de la construction en un seul temps. Voilà, justement, permettez-moi d'apporter juste une précision, c'est que ce n'est pas une technologie, c'est un processus de conception en utilisant la technologie. Donc effectivement, aujourd'hui le BIM dans le monde, il est partout. Donc l'Algérie n'est pas à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Nous devions, c'est pour ça que nous avons prêté ce sujet. D'ailleurs, c'est un sujet qui est récurrent dans les salons. L'importance de chaque, elle augmente d'une édition à l'autre. Et aussi, la technologie, on compte aussi présenter il y a un architecte qui va présenter un projet. Parasismique, c'est-à-dire qui a été réalisé. C'est vrai que l'exemple le plus concret, c'est la mosquée d'Alger, c'est Masjid al-Jazair. Mais pour le citoyen lambda, c'est un grand projet. Les gens ils vont se dire peut-être que cette technologie n'est pas appropriée qu'au grand projet. Donc c'est un petit projet administratif, c'est du CTC de la ville d'Indefla, qui a été réalisé par une équipe d'architectes, d'ingénieurs algériens, qui va aussi être présenté en salon. Ça coïncide malheureusement avec le séisme. Oui, le terrible séisme qui a touché Turquie et la Syrie. En ces circonstances douloureuses, c'est-à-dire, c'est vrai, on avait prévu, programmé de présenter le projet, on ne savait pas qu'il y avait. Oui, voilà mais donc, par hasard, il y a cette actualité. Mais c'est une occasion pour dire que la construction parasismique, elle est abordable, elle est réalisable en Algérie. Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux méga-projets. Donc, c'est M. Abdelrazak Msaad, que je salue, et qui était le chef d'orchestre pour réaliser, pour conduire et les suivre la réalisation des travaux de ce projet. Donc on va essayer aussi de discuter sur ça,
puisque c'est un sujet d'agression. L'expérience est là, elle a été tentée, elle est réelle. Et puis c'est un projet, c'est juste pour montrer que cette technologie n'est pas réservée uniquement aux méga-projets. Mm-hmm. Bien sûr, on va aussi parler de l'utilisation des BIM, du digital, dans la préservation du patrimoine. Oui. Ça aussi, c'est un sujet qui est important. Constantine, qui est connue pour son patrimoine, il y a des tentatives pour sa valorisation, pour sa sauvegarde. Donc, on va essayer de discuter sur le sujet, sur l'opportunité d'utiliser des moyens qui sont quand même assez modernes, j'allais dire, ou technologiques, pour essayer de faire revaloriser, et de renforcer le bâti qui est présent, justement, que ce soit à Constantine ou à travers le pays. On terminera par une dernière idée, c'est que voilà, cette édition verra une exposition exceptionnelle liée à l'architecture. Exactement. Donc des talents parmi les architectes locaux vont être mis en avant. Et voilà, c'est dire un petit peu qu'on ne connaît pas. On montre beaucoup le travail des artistes, mais celui des architectes sera visible pour la première fois. Oui. Il y a en quelque sorte, pour nous, moi qui suis architecte, cette exposition est d'abord un hommage pour nos doyens, mm-hmm. notamment au premier architecte algérien, Hadj Abdelrahman Bouchem, Allah yarhamou. Donc on essaie d'être à les dignes héritiers de ce grand monsieur. Mm-hmm. En essayant d'exposer certains projets pour montrer un peu, vous savez, les Algériens, ils critiquent toujours le travail des architectes et ils nous disent à chaque fois, vous ne faites rien, etc. Maintenant. Donc, on veut montrer à travers ça qu'il y a des tentatives, il y a quand même de la créativité chez les architectes algériens. J'allais dire. Absolument. Donc, sur une vingtaine de projets, certains ont été réalisés, d'autres qui sont en cours de réalisation. Ça sera l'occasion pour, comme disait un ami il n'y a pas longtemps, de pouvoir mettre le visage de l'architecte sur un projet, parce qu'on connaît beaucoup de bâtiments, mais les gens ne connaissent pas forcément l'architecte. Qui est derrière. Absolument. Donc, essayer de discuter avec la personne pour voir derrière ce projet, c'est-à-dire il y a un être humain. Il va essayer de raconter son histoire, mm-hmm. qui est singulière pour chaque projet. Les histoires ne se ressemblent pas. Donc, nous espérons avoir, Inch'Allah, et puis aussi, comme je le disais au début, c'est pour rendre hommage à nos doyens et aux anciens architectes. Voilà, si vous êtes à Constantine ou dans les environs, n'hésitez pas à visiter donc durant 4 jours. C'est ouvert donc du 20 au 23. Du 20 au 23 février. Du 23 février, donc je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je dis 4 jours, donc c'est 3 jours. Non, c'est 4 jours. C'est 4 jours. Oui, c'est du 20 au 23. Compter, hein. Oui, 1, 2, 3 plus le 20. Effectivement, ça fait 4 jours, donc je n'ai pas tout faux. Et donc c'est vraiment une plaque tournante pour les professionnels du domaine du bâtiment, donc avec justement plus de visibilité pour les architectes, on l'aura dit tout à l'heure. Donc c'est le BITEC, le salon qui permettra justement de découvrir les dernières innovations avancées technologiques ainsi que de nombreuses opportunités pour apprendre et échanger entre professionnels du domaine et du secteur du bâtiment. Merci d'avoir permis d'en parler. Merci Monsieur Abdelkrim Langel, je vous souhaite un bon voyage pour Constantine et bon vent pour cette manifestation la plus grande du genre en Algérie. Alors merci à ceux qui sont avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, allez, pour vous récompenser, une petite chanson. Le groupe Day qui interprète tout de suite pour vous, Ana Jazairi.
Et je joins tout de suite ma voix à celle des membres du groupe Day, ces sympathiques membres du groupe Day qui nous ont chanté à l'instant Anna Jazairi. Donc bienvenue, salam alaikum, et bienvenue également à notre invité qui vient de la radio algérienne, donc notre consoeur Amina Hadiat, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes également rédactrice en chef donc, d'un média dont on ne parle pas beaucoup, il s'agit de Radio Algérie Multimédia. Tout à fait. Ravie de vous retrouver ce matin. Merci de m'avoir invité. Voilà. Alors, c'est vrai que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la radio qui est justement ce vecteur ou ce média qui permet la communication, l'information et également donc le divertissement. Donc, il les rend accessibles à tous les segments de la société et vous contribuez en tant que média à cet effort au quotidien. Ben, nous essayons en tout cas, hein, oui. Nous faisons de notre mieux. Donc la radio, comme tout le monde le sait, c'est ce qu'on appelle les masses médias, mm-hmm. c'est-à-dire c'est un média qui touche un plus grand nombre de personnes possible à travers les différentes chaînes de la radio, qu'elles soient nationales ou régionales et locales. Nous essayons de toucher vraiment toute l'Algérie. Je pense que oui. La radio, c'est le média qui rentre le plus facilement dans les foyers algériens. Et puis dans toutes les régions, donc dans les 58 wilayas, notamment avec les radios nationales, mais aussi toutes ces radios locales installées un peu partout, qui permettent de lever l'isolement sur les régions les plus reculées. Tout à fait, de créer ce lien avec le citoyen. Et puis aujourd'hui, avec Internet, donc le média que je représente, Radio Algérie Multimédia, le site Internet de la radio, nous touchons encore plus de public, y compris le public à l'étranger, mmh. où il suffit d'avoir son smartphone. À bout de clic, bien sûr. Voilà, ou son smartphone, oui. même à travers l'application mmh. mobile. Aujourd'hui, nous pouvons écouter toutes les chaînes de la radio algérienne sur son téléphone, sur son ordinateur, ou à l'ancienne, à l'aide d'un transistor ou dans sa voiture. Voilà, vous avez commencé votre carrière en qualité de journaliste, reporter, donc dans différents organes de presse nationale, donc ce qui a forgé un petit peu votre expérience. Mais en 2011, vous avez choisi justement de renforcer ces connaissances sur le terrain, donc acquises sur le terrain par une formation à l'école de Lille qui vous a spécialisé dans ce domaine du web en particulier. C'était tout nouveau à l'époque. Tout à fait, c'était une nouveauté à l'époque. Si vous vous rappelez, le débat, c'était est-ce que le web va tuer la presse absolument, classique est-ce absolument. Que... Donc, l'école de journalisme de Lille avait à ce moment-là, je pense que c'était la deuxième année où ils avaient créé cette nouvelle spécialité. Mm-hmm. Et ça m'a intéressée parce que ça, le multimédia, comme son nom l'indique, permet d'utiliser toutes les formes de médias, à savoir l'écrit, la photo et l'image. Tout à et fait. Tout ça sans avoir de soucis de temps ou d'espace. On connaît la presse papier, on demande combien de mots, combien oui, de lignes, voilà, le minutage à la télé ou à la radio. Le web supprime toutes ces barrières et offre beaucoup plus de possibilités. L'internaute peut cliquer, avoir des liens, être renvoyé vers d'autres sources d'informations, avoir de la vidéo, du son, de l'image, de l'écrit. C'est un monde, je trouve, qui offre beaucoup plus de possibilités à nous, journalistes, de transmettre oui. les messages et l'information. Donc j'avais choisi à ce moment-là de me spécialiser en web. Voilà, vous avez aussi travaillé à Radio Chaîne 3 pendant tout plusieurs années et ça vous a valu aussi une expérience dans ce type voilà, ce média. De médias. Et puis voilà, à un moment donné, vous avez basculé. Donc depuis un an et demi, vous gérez une petite équipe de rédacteurs, reporters, journalistes, on dira, mais spécialement par rapport à ce volet en particulier, donc la gestion du site. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on découvre de plus en plus les animateurs à travers des podcasts. Tout à fait. C'est très intéressant, mais il n'y a pas que cela. Alors, la radio, je pense, la radio algérienne a depuis longtemps saisi cette l'importance de mettre un pied dans le digital. Donc, déjà en 2008, le média dont nous parlons, à savoir Radio Algérie Multimédia, a été créé donc en 2008. Et depuis, nous ne cessons de renforcer ce média,
de lui donner encore plus de visibilité, d'améliorer le design du site, d'améliorer le contenu, augmenter le contenu le national et de qualité, parce qu'on sait aussi que la radio, c'est un gage de fiabilité de Absolument. L'information. Quand on veut une information sûre, on va vers les médias traditionnels qui sont la télé, la radio. Et donc, ouvrir cette fenêtre sur le web à partir de la radio, qui est un média sérieux, qui est un média de référence, c'était important pour la Radio Nationale. Aujourd'hui, avec les équipes qui seront de plus en plus jeunes, qui seront de plus en plus connectées, il est plus facile aujourd'hui qu'en 2008, où il fallait bousculer les mentalités, de travailler aujourd'hui sur l'outil informatique, sur la vidéo. Vous voyez aujourd'hui autour de nous, même les enfants arrivent à faire des petits montages vidéo. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est rentré beaucoup plus dans les mœurs, ce qui nous aide à développer ce segment. Donc nous avons renforcé l'équipe par des recrutements de jeunes. Mm-hmm. Nous essayons de travailler sur le segment vidéo, essayer d'améliorer, parce que la radio, ça c'est pas son cœur de métier, on va dire. Absolument, l'image. Absolument, c'est la voix d'abord. Voilà. Ce sont des images qu'on écoute. Exactement, voilà. Mais aujourd'hui, nous permettons à travers le multimédia aux auditeurs d'effectivement mettre des visages sur des voix qu'ils ont peut-être écoutées, aimées depuis des années, mettre ces visages-là à travers les podcasts, mais aussi à travers des produits purement Radio Algérie Multimédia, qui sont donc les articles sur les invités du matin, les vidéos prises dans les studios. Les émissions phares. Voilà, les émissions de la radio, c'est-à-dire... Radio Algérie Multimédia, c'est un média à part entière qui traite de l'information quotidienne, comme tous les autres, mais aussi qui participe à promouvoir tous les produits de la radio, tout ce que fait la radio à travers toutes ses chaînes, y compris le réseau des chaînes locales. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile de nous envoyer des émissions ou des reportages à travers Internet aujourd'hui. Absolument. Alors que peut-être qu'il y a quelques années, je ne peux pas en témoigner malheureusement, il y a peut-être 15 ans, c'était difficile de savoir ce qui était programmé peut-être dans une radio locale. Donc tout ce développement technologique, nous l'utilisons au service de l'auditeur et également de l'internaute aujourd'hui. Voilà, on salue toute l'équipe justement de web designers, d'infographes peut-être et aussi d'ingénieurs en informatique qui Effectivement, c'est une équipe où il y a donc la partie éditoriale, donc les professionnels de la rédaction. Mais il y a aussi toute une partie d'informaticiens, de web designers, d'infographes, que je salue à l'occasion, à leur tête, Hamid Tiouti. Et donc ces personnes-là, cette équipe-là, nous en fait, on fabrique le contenu qui va être dans le contenant que créent ces personnes-là. Parce que sans eux, nous ne pourrions pas poster tout ce que nous postons aujourd'hui. Sachant aussi qu'aujourd'hui, la radio algérienne est présente sur les réseaux sociaux, à travers des pages de la radio sur, je ne sais pas si je peux les citer, oui, Facebook, pas, Twitter, YouTube. Oui, oui, donc, toutes ces pages-là sont alimentées également par la rédaction. Et si elles sont animées et actives, c'est aussi grâce à toute cette équipe technique. C'est une équipe jeune qui a plein d'ambition, qui s'implique de plus en plus dans l'information en externe aussi, mais aussi dans le web documentaire, parce que vous avez commis un premier web documentaire cette année, grâce à la contribution de tous, grâce justement à l'abnégation de toute une équipe qui n'était pas encore équipée en matière de production audiovisuelle. C'était un réel défi, mais je pense qu'en tant que journaliste, le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, c'est un rendez-vous qu'on ne pouvait pas dignement rater. Donc nous avons décidé avec l'équipe rédactionnelle, avec le directeur de Radionet, de Radio Algérie Multimédia, Anis Benhadouka, de faire un produit spécifique pour marquer cet anniversaire, cette année anniversaire importante pour l'Algérie. Donc nous avons choisi cette forme qui est relativement peu présente, on va dire, qui n'est même pas présente dans le paysage médiatique malheureusement en Algérie, cette forme de journalisme qui s'appelle donc le web documentaire, c'est tout simplement... Et justement, avant d'en parler davantage, on va découvrir quelques images promotionnelles justement de ce que vous avez conçu comme travail. On a
نبض الجزائر أول وثائق ويب جزائري في 17 جانفي الجاري عبر راديو أجيغي بونتيزن. استراتيجية الجزائر في 62 كانت حقيقة محكمة. الحاجة الأولى اللي أعطت لها الأولوية هي التكوين. الإذاعة الجزائرية تطلق وتشارك معكم أول وثائق ويب خاص بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. الجزائر قدرت تصدر على الأقل مليار تاع الدولار في المواد الفلاحية. من استقلال لليوم الجزائر لم تعرف لا مجاعة والحمد لله ولا أزمات غذائية. الجيش الوطني الشعبي من خلال تجربات 60 سنة استطاع أن يحافظ على استقلالية الدولة وسيادته. مؤسسات دبلوماسية، تأميمات، اقتصاد، تنمية اجتماعية وثقافة. نبض الجزائر شهادات ثرية مصورة تحكي تاريخنا. في 17 جانفي الجاري عبر راديو algerie.dz/نبض. جزائر تسير بحزم وعزم، أعتقد أننا في طريق صحيح. الإذاعة الجزائرية تدخل التاريخ. Voilà, ça donne un petit aperçu de cette organisation, de ce web documentaire qui s'articule en plusieurs volets, on l'a vu. Ça permet justement de concentrer l'effort sur chaque aspect de l'évolution de notre nation. En fait, avec l'équipe rédactionnelle, nous avons décidé de ne pas faire un récit chronologique, mais plutôt thématique, pour s'adresser aux Algériens à travers leur intérêt, en fait. Donc, on a choisi des chapitres, 6 pour la symbolique des 60 ans. Et dans chaque chapitre, il y a des vidéos accompagnées d'un texte qui racontent à chaque fois un secteur ou des événements. Donc, si on prend l'exemple du chapitre des nationalisations, on sait que cette étape a été importante dans la construction de l'Algérie indépendante. Donc, les nationalisations... Et le mois de février, c'est vraiment le mois de... Voilà, les nationalisations. Où l'on parle plus de la nationalisation. Nous sommes dans un lieu qui a été... pas nationalisé, mais dont on a récupéré la souveraineté, donc la télévision et la radio algérienne. Nous avons donné également l'exemple de la Sonatrach, du chemin de fer, qui est un vecteur important dans le développement d'une nation, mais aussi du TNA, parce que l'identité algérienne, il fallait aussi, en plus de retrouver la souveraineté territoriale, il fallait aussi reprendre cette identité algérienne, se la réapproprier et en chasser, on va dire, ce qui a été modelé par le colon. Il y a aussi donc les institutions d'une grande importance. Il fallait mettre toutes ces institutions d'un État fort. Donc le palais Zérot Youssef qui a donc abrité plusieurs étapes importantes de cette construction des institutions algériennes à travers notamment l'Assemblée constituante au lendemain de l'indépendance qui a été donc installée là-bas. Quelques années plus tard, c'est devenu le siège du parti unique, le FLN. Et des années encore plus tard, en 98, c'est devenu le siège du Conseil de la Nation. Donc, lorsque l'Algérie a décidé de passer un système bicaméral dans son Parlement. Donc, au lieu de raconter le Parlement ou l'Assemblée constituante, nous avons préféré raconter ce lieu qui a abrité tout ça. C'est-à-dire... témoin de toute cette évolution, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment à chaque fois de raconter cette construction. Nous avons aussi choisi de donner la parole à la génération de l'indépendance, c'est-à-dire vraiment les personnes qui sont en action aujourd'hui, qui travaillent encore pour construire l'Algérie. Nous avons donné la parole à un panel le plus large possible de personnes, donc chercheurs, ministres, la femme au foyer, le mouvement associatif, les médecins, les gens du sport, les gens de la culture. On a essayé d'ouvrir ces témoignages à tout le monde et nous avons aussi choisi de nous effacer en tant que journalistes en appliquant la technique du sans commentaire journalistique, donc en réservant tout ce temps. Des interviews, parallèlement des textes écrits par votre équipe en tout cas. Voilà, texte, mais c'est surtout de l'interview et de l'image d'archive. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la télévision algérienne qui nous a beaucoup aidé et ouvert ses portes pour avoir des images d'archives.
Merci en tout cas de nous avoir permis à nous de marquer cette journée consacrée à la célébration, donc journée mondiale consacrée à la radio. Donc cette année, donc cette célébration se fait sous le thème de la paix. Donc j'imagine aussi que c'est un défi à relever par une radio, une petite radio comme la vôtre, ou toute la radio algérienne, ainsi que les masses médias de manière générale. C'est un défi, oui, et c'est un défi pour le monde entier, en fait, et j'en profite d'ailleurs pour avoir une petite pensée peut-être pour nos frères turcs et syriens qui traversent une crise. En plus de la guerre, avoir un terrible événement comme ce qu'ils vivent. Vous parlez de la paix, ça me fait penser à eux. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un des défis aussi, c'est d'informer en temps de guerre, informer en temps de catastrophes crise. Naturelles. Et Dieu tout sait qu'elles sont nombreuses cette année, le changement climatique, mais aussi donc, ces séismes foudroyants vécus en Turquie ou en Syrie. C'est vrai qu'on s'incline à la mémoire de toutes les victimes de cette catastrophe. Et aussi, on salue à travers votre présence parmi nous l'ensemble du personnel de la radio algérienne, donc où qu'ils soient. Et donc merci infiniment. Donc Amina Hadjet, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Radio Algérie Web. Alors, Radio Algérie Multimédia, voilà. Merci à vous. On finira par connaître par cœur, voilà, grâce à cet effort d'ouverture que vous avez instauré, donc en tant qu'équipe dynamique et jeune. Et si vous permettez, je tiens aussi à remercier le directeur de la radio, M. Mohamed Barali, qui nous a vraiment soutenus dans ce projet. Merci, voilà qui est bien dit. Donc restez avec nous, mesdames, messieurs. On continue de parler de culture et d'art dans un petit instant. Après ce reportage, gros plan sur le centre d'enseignement artistique Mawaheb El Founoun. C'est un reportage signé Lamia Bouddha. Situé en plein cœur de Belouizdad, Mawaheb El Founoun est un centre d'enseignement artistique qui propose une grande diversité de formations à des prix abordables. Nous sommes situés à Belouizdad et nous avons ouvert nos portes pour toute personne, tout individu de tous les âges. Et le but, c'est de rendre l'art accessible aussi, de le populariser, pardon. Et voilà, et cela à travers plusieurs activités et disciplines artistiques. Nous proposons ces différentes disciplines avec des prix plus ou moins abordables pour les rendre le plus accessible. Commençons d'abord par les arts plastiques. Le dessin et la peinture, c'est sans dada. J'ai nommé pour vous Lilia Hamouche qui vous apprendra les bases, mais pas que. Il y a deux méthodes qui sont classiques et universelles dans le monde entier. Donc, comme on dit, les arts plastiques, c'est universel. Donc, on étudie d'abord le dessin, d'abord la base. Ensuite, on va entamer la couleur, l'ombre et lumière. Ensuite, la couleur. Comment on mélange les couleurs et tout. Ensuite, après, pour entamer les techniques de la peinture en général, c'est-à-dire technique crayon de couleur, technique pastel, pastel gras, pastel sec, ensuite peinture à l'huile, acrylique. Les tesselles et leurs chatoyantes couleurs règnent en maître ici. Chandra Belili guidera vos premiers pas de mosaïste. Surtout les femmes, aimerait bien avoir un objet artistique chez elle, fait par elle-même. Elle le montre, elles sont fières de ça. C'est pour ça qu'elles aiment bien la mosaïque. Place à présent à la grâce du mouvement et la beauté des gestes. Adèle et Lina promettent de vous faire aimer la danse classique. Brillante élève de la célèbre chorégraphe et professeure de danse Nouara Idami. Ce workshop est une présentation et initiation à cet art. C'est de l'art et du sport. Donc, c'était un peu le principe à le workshop. On a expliqué le déroulement du cours, les exercices à faire, etc. Et surtout, il faut savoir que les exercices, on les a appris à travers notre formation, dans notre studio privé, mais à notre prof qui a une influence russe. Déjà pour moi, la danse classique, il faut être passionné pour la faire parce qu'il y a beaucoup de pratiques mais aussi beaucoup de théories et il faut beaucoup de patience pour faire de la danse classique. Nedir Djama, un illustre nom de la photographie et pour qui l'image n'a plus aucun secret. Pour vous dire sincèrement, moi j'allais raccrocher un peu de la photographie. Quand cette école m'a appelé,
Et puis j'ai vu que l'enthousiasme qu'ils avaient a voulu créer un cœur comme ça, culturel, pour donner une force à cette formation. Et vous avez promis de partager tous vos secrets de photographe, de bon photographe. Je partage rien puisque je garde, je donne, je garde, je partage rien. Ma part, elle y est toujours chez moi. Et je crois qu'elle est mieux encore préservée chez l'autre, chez nos élèves. J'aime bien faire des photos. Qu'est-ce que tu as appris avec l'usine? Dis-nous. J'ai appris comment régler une caméra, les ISO, la vitesse, la sensibilité. J'ai appris la vitesse, voilà. Et on a appris comment faire des photos. On a fait des techniques. Par exemple, la technique des F16. L'art de la musique. Confection de bijoux anciens et modernes. Céramique, autant de formations assurées par Mawahi Belfounoun. L'art est un merveilleux moyen de transmettre des idées et des émotions. Si certains ont eu la chance d'intégrer ce type de centre, d'autres se sont concentrés sur leur passion et ont réussi dans leur domaine. Et bien sûr, nous en avons un exemple aujourd'hui. Il s'agit de Lydia Messaoui, donc artisane, donc créatrice de bijoux, qui est parmi nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Et vous ? On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci, merci de m'avoir reçu. Et c'est vrai que moi, je trouve que les personnes qui sont autodidactes ont beaucoup plus de mérite que les personnes qui suivent une formation. Ouais. Voilà. Vous, à la base, vous êtes diplômée en aérodotique. Oui. Et c'est un, oui. Voilà, comment on dit, c'est un virage à exactement. 360 degrés. Exactement. C'est même pas 180, c'est carrément. Vous avez viré de bord pour rester dans le jargon de, oui. de l'aéronautique oui. et pour plonger complètement donc, dans cette passion, celle de la création de bijoux. Oui. Voilà, c'est en quelle année que vous avez commencé à créer des bijoux ? Alors, après avoir eu mon diplôme, j'ai décidé de rentrer en Algérie mm-hmm. parce que je suis très nationaliste, donc oui. j'ai préféré rentrer chez moi. Et donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour mm-hmm. bien me reposer. Et c'est là où j'ai découvert l'art des bijoux. Et il ne fallait pas que je reste sans rien faire. Donc, oui, absolument. Je me suis occupée en créant. Donc bon, c'est vrai que mes premières créations n'étaient pas très... très abouties, on oui, dira. Oui, mais bon, ça va. C'est-à-dire, j'ai participé à quelques expositions et ça m'a permis de me développer, de voyager aussi, de voir différentes... Oui. culture, de m'imprégner aussi de toute la culture de notre pays. Voilà, on voit beaucoup de perles sur le collier qui apparaît actuellement à l'écran. Et donc, c'est vrai qu'au gré de vos voyages, vous me disiez que vous aviez aussi ramené des éléments qui vous permettaient Exactement. D'avoir de l'originalité dans chaque conception. Exactement. Donc, j'ai voyagé partout en Algérie et aussi quelques pays à l'étranger. Donc, j'adore les pierres et dans notre pays, on en a beaucoup et elles sont très très belles. Mais il y a aussi d'autres pierres aussi à l'étranger qui sont très très jolies aussi. Donc j'ai commencé par faire mes propres bijoux, donc à façonner mes propres bijoux. Et c'est de là que cette passion est née. Et puis j'en ai fait J'imagine qu'à chaque remarque, chaque personne qui vous croise et qui vous dit « Vous avez quelque chose de très joli, vous l'avez acquise. » Ou et là, bof, ça y est, on engage la conversation Exactement. Et on apprend qu'on a une talentueuse artisane qui peut nous offrir la possibilité d'avoir des bijoux personnalisés. Donc l'aventure est bien partie. Mais c'est vrai qu'à un moment, vous aviez eu besoin d'asseoir, d'avoir un peu plus d'assurance, d'asseoir toutes ces connaissances acquises comme ça naturellement et par curiosité personnelle. Vous avez été vers des ateliers quand même. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai été vers des ateliers. J'ai fait des formations pour approfondir ce que je faisais déjà, donc c'était beaucoup plus pour apprendre à découper, à souder, tout ça, c'est des choses qu'on nous apprend. Mm-hmm. J'ai été vers d'autres artisans aussi, donc je travaille aussi avec quelques artisans pour des méthodes qui sont un peu plus compliquées, comme le filigrane qui est très oui. très difficile. Ouh, c'est complexe voilà. le filigrane. Et ben, donc, voilà. Là, c'est du filigrane ou c'est de la sculpture ? Ça, c'est non, de c'est de la gravure. Voilà, aussi, il y a gravure sur métal. C'est un moule, oui. on va dire, qui fait sortir
partir une pièce. Donc c'est une pièce soltani qui est inspirée des de pièces soltani de l'époque. Les anciennes, oui. Voilà, vous avez du filigrane ici au niveau de ce la modèle pièce, qui est à côté de moi. Donc on a du filigrane. Et oui, c'est vrai, les petites boules là. Ouais. Il y a aussi la fibule qui est en filigrane. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est une passion qui vous anime. Donc, vous ne vivez pas que de ça. Vous avez votre métier. Mmh. Donc, à la base, vous travaillez. Et, mais en parallèle, vous le faites. Mais ça vous permet quand même d'avoir le temps pour cette passion. Oui, bien sûr. On a le temps pour tout ce qu'on veut quand on s'organise, c'est clair. Oui. Mais donc, oui, je fais en sorte à arracher des moments dans la journée pour pouvoir créer, parce que c'est une passion et c'est primordial. Les expositions, c'est important aussi pour vous, pour vous faire connaître. Oui. Alors, c'est-à-dire que vous avez exposé autant en Algérie qu'à l'étranger aussi. J'ai fait 3 expositions à l'étranger, et sinon toutes les autres expositions, c'était au niveau du territoire national. Donc j'ai participé plusieurs fois au Salon international de l'artisanat. Je travaille avec une dame... je la salue en passant, c'est Lydia Ladjouzi, c'est elle qui regroupe tous les artisans, qui fait plusieurs événements pour pouvoir promouvoir l'artisanat. Mm-hmm. Donc elle fait un travail formidable et ça nous permet aussi de rencontrer du beau monde et de promouvoir notre art. Il y a plusieurs artisans dans plusieurs domaines. Donc, vous revenez tout juste d'une très belle exposition exactement. Qui a été abritée par un complexe touristique du côté de Zeralda. Exactement. Voilà, elle a touché à sa fin avant-hier, cette belle exposition. Oui. Est-ce que vous avez apprécié les rencontres et les échanges de cette exposition en particulier? C'était une exposition très riche. Il y avait des familles, des enfants, des délégations étrangères, il y avait vraiment de tout et c'était magnifique parce que il y a beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas encore et c'est pour ça qu'on participe à ces événements, pour qu'on puisse promouvoir notre talent, promouvoir notre page des réseaux sociaux. Donc voilà. Très bien, vous êtes visible sur quelle plateforme essentiellement? Alors, je suis sur la plateforme Facebook, Instagram et récemment sur TikTok. Bon, je ne suis pas très... je ne connais pas très bien cette plateforme, mais c'est pour beaucoup plus toucher la gente, les plus jeunes qui sont plus... la jeune génération. Exactement. Très bien. C'est vrai que ce sont des bijoux qui sont empreints de modernité. C'est vrai qu'on est... Il y a une toute petite touche de classique, mais on est quand même dans une démarche assez moderne. Exactement. C'est pour un peu... avant, les bijoux traditionnels, on les portait que pendant les événements. Donc là, c'est pour un peu démocratiser le bijou... traditionnel et pour pouvoir le porter tous les jours sur un chemisier ou pour aller dîner ou même juste pour aller travailler. Donc, très c'est bien. Pour, votre plus belle rencontre avec un client ou une cliente qui vous a fait dire « Ah mon Dieu, quel plaisir, j'ai rendu heureux quelqu'un ». Eh bien, j'en ai pas une, mais plusieurs. Mm-hmm. Franchement, ça m'arrive très souvent et je pense que c'est grâce à cela que c'est ce qui me permet de continuer, parce que il y a plusieurs clients qui ne connaissent pas par exemple l'argent Mchilel, mais je vois que les gens sont très intéressés et sont très contents quand ils voient de belles pièces, même s'ils ne peuvent pas se le permettre, mais avec le temps, ils reviennent. Donc ils reviennent, ils se préparent, ils ramassent une petite... Donc, parce que c'est de l'argent, donc ça, c'est un peu coûteux. Donc, et moi, ça me plaît beaucoup, surtout quand je vois des jeunes qui économisent pour offrir un cadeau à leur maman. Donc il n'y a pas qu'une seule rencontre qui me marque, il y en a vraiment plusieurs. Et aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour faire des cadeaux à mesdames, n'est-ce pas? C'est la fête des amoureux dans certaines régions du monde. Et bien sûr, on souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous. Et pourquoi pas passer par un objet pour exprimer ses sentiments. Oui. Ça pourrait être une belle opportunité, effectivement. Exactement. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Lydia Messaoui, donc, qui est créatrice de bijoux. Les pièces que vous venez de voir représentent une partie de sa collection, mais vous pourrez la découvrir davantage sur une page qui s'appelle... Instagram, qui s'appelle Terriel, donc la carte de visite. Oui. Terriel, on peut l'appeler comme ça, les gens vont... Terriel, donc est-ce que vous connaissez la signification du mot Terriel? Non.
J'attends. Alors, le mot Teriel, ça vient de la mythologie donc, berbère, qui veut dire la femme sauvage, la femme rebelle. Mm-hmm. Et c'est un peu le nom que j'ai utilisé pour les bijoux qui sont un peu rebelles, qui ne suivent un peu. C'est un mélange de plusieurs cultures, plusieurs styles. Donc, voilà, qui convient parfaitement à la femme algérienne, un peu rebelle, un peu forte, un peu sensible aussi. Mm-hmm. En tout cas, on vous aime, mesdames. Merci, Lydia, de nous avoir permis de découvrir un petit peu votre passion ce matin, et merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis le début. Voilà, les plus fidèles, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dès demain, vous retrouverez nos autres collègues. C'est Constantine qui prend le relais, d'abord avec Smaïl Belkaïdia, et puis ensuite donc notre ami Imen Mahroug Rassa Oran le mercredi. Et dès jeudi, vous retrouverez donc Nour El Houda à partir d'Alger. Merci, ravi de vous avoir servi ce matin du 13 février. Au revoir et à très bientôt.